remise de fournitures et de matériel scolaire. La tradition a été respectée à Bignona. Le maire Mamoudou Lamine Keïta a présidé ce jeudi 21 octobre 2021 la traditionnelle cérémonie de remise de fournitures et de matériel scolaire à l'inspection de l'éducation et de la formation IF1 de Bignona. La salle de délibération de la mairie a accueilli la rencontre. C'était en présence de l'inspecteur Issa Ndior et des acteurs de l'éducation. Ce sont en tout 9 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par la commune pour accompagner l'éducation et la formation. Il faut souligner que cet important lot de fournitures et de matériel scolaire a été acquis sur la base de l'expression des besoins émis par la coordination des directeurs d'école. Merci beaucoup. Ce sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction pas par rapport à l'acte que nous venons de poser, qui est un acte normal, j'allais dire une obligation pour nous en tant que collectivité territoriale, mais également en tant que parents d'élèves, en tant qu'éducateurs. Mais notre satisfaction se justifie par l'engagement renouvelé des acteurs de l'éducation qui ont partagé, qui ont pris part à cette cérémonie avec nous, un engagement pour que Bignona 1, notre IF, continue à occuper le haut du pavé dans notre région en termes de performance. Cela me semble très, très, très important pour la remise de matériel que nous venons d'effectuer tout à l'heure. Je dois dire que depuis que nous sommes là, nous avons annuellement procédé à cela. Nous avons annuellement travaillé avec l'inspection pour identifier les besoins et essayer d'accompagner. Et l'inspecteur l'a rappelé tout à l'heure, il y a de cela quelques années, nous avons tous été choqués d'apprendre que l'IF1 de Bignona a occupé la dernière place dans le classement des IF de l'Académie. C'était gênant, mais l'inspecteur, les enseignants, les directeurs d'école et la commune se sont parlé de façon non écrite. Nous avons eu un contrat de performance dans lequel chacun devait jouer son rôle. Je me rappelle à l'époque qu'il a été demandé à la commune de Bignona de s'engager au nom de toutes les collectivités territoriales de l'IF1 pour accompagner les évaluations standardisées qui demandaient quand même du matériel lourd, des ISO et tout ce qui permettait une reproduction rapide et en grande quantité des épreuves et permettre, faciliter que, sur l'étendue de l'IF que l'on puisse faire des exercices et des évaluations en même temps pour tout le monde. Et la commune s'est acquittée de cela. Nous avons été heureux de constater que les enseignants, l'IF, tout le monde également a respecté son engagement. Et l'année suivante déjà, Bignona est parti de la dernière place à la première place au niveau de l'académie. Et depuis, nous sommes restés à ce niveau-là. Ça veut dire que nous avons ici à Bignona la chance d'avoir une bonne collaboration entre les différents acteurs autour de l'école. Et je souhaite que cela puisse continuer. Et pour ce qui nous concerne, nous continuerons à mobiliser tout ce qui est possible pour que l'IF1 continue à maintenir le cap en termes de performance. Coordination des directeurs d'école, les parents d'élèves, les représentants des syndicats d'enseignants ont tous salué les efforts que ne cesse de consentir la commune en faveur de l'éducation et de la formation. L'inspecteur Ndior a révélé que la mairie apporte chaque année tout l'accompagnement nécessaire. C'est ce qui explique, selon lui, les performances de l'IF1 qui, depuis 3 ans, est première de la région de Jiguinchor. Je vous remercie. Comme vous venez de le dire,
Nous venons de procéder à la remise des fournitures destinées aux élèves de la commune de Bignona, des mains de M. le maire de la commune, pour un lot important de fournitures d'une valeur d'à peu près 9 millions de francs CFA. Ces fournitures, comme vous l'avez remarqué, sont constituées de craies, de cahiers, de beaucoup de matériel qui vont entrer dans le cartable de l'élève pour que le concept Witei Djangetei soit une réalité ici dans la commune de Bignona. Nous nous réjouissons du fait que depuis 3 ans, l'IEF de Bignona 1 occupe la première place au CFE et à l'entrée en 6e. Ceci, comme nous l'avons dû, est le fruit vraiment de beaucoup d'efforts consentis par les différents acteurs qui composent l'IEF de Bignona 1. Il y a les autorités administratives, il y a également les élus qui nous accompagnent beaucoup, comme M. le maire de Bignona. Il y a également que les enseignants, les directeurs, mais aussi les parents d'élèves, vraiment tout le monde met la main à la pâte. Et c'est cela qui nous a valu ces résultats-là. Il n'y a pas de secret, c'est simplement le fruit vraiment d'une synergie d'action autour de l'école. Et nous nous réjouissons de ces résultats-là.